Bonjour, je m'appelle Aurélien Rago. Je suis installé à Saint-Martin-des-Hères en Mayenne depuis 10 ans, sur une exploitation laitière composée de 70 vaches laitières et sur une surface de 140 hectares, avec à peu près 80 hectares d'herbe, 20 hectares de maïs et 40 hectares de mélange tropical févrole. Donc je me suis installé sur une exploitation familiale qui était déjà en bio depuis un an. Les raisons du passage en bio étaient sortir du schéma conventionnel et passer sur un système plus vertueux. Mes objectifs sont l'autosuffisance totale. Donc c'est pour ça que je fais de la févrole toastée pour éviter les achats de protéines. Ce que signifie bio et FNSEA, donc pour moi, je suis responsable depuis 6 mois de la section bio au niveau du département de la Mayenne. Je souhaitais m'engager pour défendre tous les producteurs, qu'ils soient intensifs ou extensifs. Tous les systèmes ont le droit d'être défendus. De défendre également une juste rémunération des producteurs, donc une juste rémunération donc des produits en bio. Le gros point qui arrive en ce moment, c'est défendre le bio dans le cadre de la nouvelle PAC. Être défendu, être reconnu en tant qu'agriculteur et surtout comme un système plus vertueux.